La justice néerlandaise a tranché. Les trésors archéologiques qui se trouvent au musée Allard Pierson d'Amsterdam devront être rendus à l'Ukraine et non aux quatre musées de Crimée qui les avaient prêtés en 2014. Le musée d'Amsterdam avait emprunté les œuvres peu avant l'annexion de la Crimée par la Russie, se retrouvant au cœur d'un imbroglio politique et judiciaire. Pour la vice-ministre ukrainienne de la Culture, c'est la décision qui s'imposait. Seules nos autorités peuvent décider à quel musée ces objets doivent revenir, dit-elle. Comme vous le savez, la Crimée est occupée par la Fédération de Russie et nous n'y avons plus accès. Nous ne pouvons pas protéger notre héritage culturel en Crimée. La représentante des quatre musées de Crimée qui réclame les 300 objets à elle dit déplorer le verdict et ses implications. Je pense qu'il est injuste de les renvoyer ailleurs qu'en Crimée, parce que comme je l'ai dit, cela va créer bien plus de problèmes à l'avenir. Les deux parties ont trois mois pour faire appel et en attendant, la collection restera à Amsterdam. Le tribunal ne s'est en revanche pas prononcé sur le propriétaire légitime de ses œuvres.